vidéo qui sera une vidéo un petit peu tag récit. Je l'ai vue sur la chaîne de Colline et je l'ai trouvée vraiment très drôle puisque c'est la vidéo VDM, donc vie de merde. Et on doit raconter tout simplement des anecdotes un petit peu catastrophiques qui nous sont arrivées. Et je trouvais que ce tag pouvait très bien me correspondre étant moi-même une bonne Pierre Richard. J'ai quand même cumulé pas mal de poisse durant ces dernières années. Donc je pense que ce tag était fait vraiment sur mesure pour moi. Donc on va commencer avec la première anecdote, donc une anecdote qui remonte à mon enfance. Il faut savoir que j'avais la chance de pouvoir partir au sport d'hiver tous les hivers, et donc cette année-là, en fait, je m'étais fait une copine dans ma station de ski, et c'était une nana un petit peu casse-cou et tout, et moi, évidemment, le mouton, je l'ai suivi, et elle a eu une vraiment très mauvaise idée, c'est-à-dire faire du hors-piste. Donc nous sommes partis dans la station où j'allais, donc c'est-à-dire Champs-Rousses, au-dessus de Grenoble. Donc là, nous sommes partis toutes les deux en hors-piste, et ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, évidemment, des fois, on peut avoir de mauvaises surprises, ce qui a été le cas, puisque les pistes ne sont pas du tout travaillées, et donc il y avait toute une couche de neige assez dure, mais tout en dessous, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait énormément de poudreuse, mais au moins 7 poudreuses. Du coup, évidemment, on s'est enfoncé comme des malades là-dedans. Donc elle a eu un peu plus de chance, parce que je pense qu'elle pesait un peu plus lourd, donc en fait elle s'est tout simplement enfoncée comme ça d'un coup avec les skis bien droits dans la poudreuse. Sauf que moi je suis arrivée pleine puissance derrière, pleine berzingue, et l'avant de mes skis en fait s'est planté et j'ai fait un soleil. En fait je suis passée carrément par-dessus mes skis, et malheureusement j'ai pas déchaussé assez vite, les fixations tenaient vraiment bien sur mes skis, et du coup je me suis retournée le genou, donc je me suis fait genre juste super mal. Voilà, je suis redescendue sur une seule jambe jusqu'en bas avec l'air pas très très fine. J'avais hyper mal, ma mère m'a rigolonné puisqu'elle me croyait jamais quand je lui disais que j'avais mal. Et le lendemain, résultat des courses, un genou comme ça, donc direction les urgences. Et évidemment, ben, je m'étais tout simplement arraché les ligaments. Donc j'ai eu le droit à un énorme strapping, une grosse bande qui montait sur l'intégralité de la jambe. En plus, deuxième vie de merde, c'est que quand on est jeune et qu'on est en pleine période d'hiver, on ne s'épile pas, enfin en tout cas moi je ne m'épilais pas, donc forcément je vous dis pas le tas de poils que j'avais sous le strapping. Et donc quand ils vous changent la bande toutes les semaines, mais c'est juste horrible parce que vous avez le droit à un 2 en 1, une épilation avec en fait, donc j'avais vachement douillé et pour le genou et pour le mode épilation en même temps quand on changeait les bandes. Donc voilà, et évidemment ce que je viens de vous dire, c'est que c'était au début du séjour, donc j'ai passé tout le séjour à regarder les gens skier et à rester en bas des pistes comme une greluche. Donc voilà, c'est ma première anecdote vie de merde. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Oui, j'en ai une autre qui remonte à encore plus jeune. J'étais à la fête de l'école et je portais souvent des jupes ou des robes quand j'étais plus jeune. Et là en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendue aux toilettes et j'ai coincé l'arrière de ma jupe dans mon collant. Ce qui fait qu'en fait j'avais carrément les fesses à l'air, hein, parce que c'était pas un collant du tout opaque, c'était un collant transparent, donc on voyait absolument tout. Et pendant toute la fête de l'école, du début à la fin, je me suis baladée le cul à l'air sans m'en rendre compte. Évidemment, toute l'école a pu le voir, et les gens ont attendu un bon moment avant de me le dire, donc pas cool, je me suis vachement tapé la honte. Alors, toujours dans les histoires un petit peu rigolotes, moi je suis sortie avec deux personnes en fait qui exerçaient le métier de gendarme. Donc ma chienne a l'habitude de voir des uniformes, et donc je traversais la grande place en fait à Louviers où il y a justement la caserne gendarmerie, et tout simplement en fait j'allais vers ma banque, vers le Crédit Agricole qui est juste en face. Il faut savoir que ma chienne est bien dressée, donc je n'ai pas besoin de l'attacher, je la balade sans laisse et sans collier puisqu'elle obéit très bien. Et donc là on traversait la grande place, et tout à l'opposé en face il y avait un gendarme en fait qui sortait de la caserne, très certainement pour se rendre à un endroit ou peut-être rentrer chez lui à pied, je ne sais pas. Et ma chienne, persuadée que c'était mon petit ami de l'époque, a cru le reconnaître et s'était lancée comme une malade, donc comme une bombe
vers lui. Donc évidemment, j'avais plus aucun contrôle. J'avais beau la rappeler, elle s'en fichait complètement et elle courait comme une dératée vers le mec. Donc il a eu super peur et moi qui courais derrière, donc ça donnait un effet encore plus flippant. Et voilà, donc en fait c'était assez drôle. Elle arrivait vers lui, elle lui a fait une fête pas possible en étant persuadée que c'était mon petit ami de l'époque, mais en fait pas du tout. Donc du coup j'étais super gênée, je me suis excusée auprès du monsieur qui finalement a rigolé. Mais voilà, j'avoue que ce jour-là, elle m'a quand même pas mal tapé la honte. Toujours pour parler de ma petite chienne Kitty, une autre fois nous étions au jardin public à Louviers et en fait il y a plein de petits espaces où il y a de l'eau en fait qui sont recouverts par une mousse verte, donc il faut faire très attention parce qu'on pourrait croire que qu'il n'y a pas d'eau en dessous et en fait il y en a, et la pauvre en fait elle est tombée dans un des bassins et elle s'est à moitié noyée. Elle était complètement paniquée, donc comment vous dire que j'ai dû me jeter là-dedans sans réfléchir, tout habillée, donc j'étais pleine de vase, j'étais dégueulasse, j'en ai chié comme pas possible pour la sortir du bassin. En plus, il faisait un petit peu frisqué à cette époque-là, donc c'était pas le pied non plus. Donc autre anecdote qui m'est également arrivée, c'est quand j'ai trouvé mon studio photo. Donc j'ai cherché un local commercial pour m'installer et après avoir fait le tour de tout Louviers, j'ai fini par trouver la boutique qui me correspondait. Enfin, il fallait vraiment se projeter parce qu'il y avait du boulot. Et si vous voulez, en fait, il a fallu que je me fasse assurer rapidement pour le local. Donc j'ai fait venir pas mal personnes de différentes enseignes pour pouvoir savoir vers quelle assurance j'allais me tourner et avoir un devis tout simplement pour assurer donc ce local. Et ce qui s'est passé, c'est que je me souviens avoir fait appel à Groupama et donc la personne a insisté pour se déplacer pour pouvoir voir à quoi ressemblait mon local, et donc il était encore totalement dans son jus, donc j'avais pas du tout commencé les travaux. C'est vrai que c'était quand même assez impressionnant, il y avait vraiment vraiment beaucoup de boulot. Et donc quand il s'est rendu dans le local, sachant que juste avant il y avait eu un feu, que les pompiers l'avaient éteint et que toute l'eau avait dégouliné sur le local, il y avait encore des résidus de feu, enfin c'était vraiment la catastrophe. Le type a vraiment flippé et si vous voulez, il était là avec sa petite sacoche, son petit carnet et son petit crayon, et je l'ai vu d'un coup vraiment changer de tête en regardant un petit peu autour de lui tout ce qu'il voyait. Il s'est penché gentiment pour ramasser sa sacoche et si vous voulez, tout simplement il s'est barré en courant. Donc voilà, donc du coup je lui dis mais et il me dit ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Et donc si vous voulez, bah bien évidemment j'ai jamais eu de devis pour ce local, je pense que là il était pas du tout intéressé pour m'assurer. Alors sinon je pense aussi à une anecdote que je pense que nous avons tous déjà vécue, tout simplement quand vous vous baladez avec votre homme au supermarché et que vous êtes en train de parler et qu'il n'est plus à côté de vous tout simplement, et vous vous apercevez à ce moment là que vous discutez toute seule et que tout le monde vous regarde. J'avoue, c'est un peu la honte. Il peut aussi se passer la variante que vous vous adressez à une personne en étant persuadé que c'est lui et en fait ça ne l'est pas. Donc là c'est vrai que c'est la petite anecdote traditionnelle qui nous est certainement tous arrivée, mais bon, ça c'est pas mal aussi dans les vies de merde. Je pourrais vous raconter aussi l'hiver où je suis rentrée chez moi et qu'il avait fait très très froid, mon portail en bois avait bougé, je sais pas si le bois avait gonflé avec l'humidité ou quoi, mais bref, il s'est retrouvé en fait contre le sol qui n'est absolument pas droit, qui est en béton, et donc ça venait en buter et je ne pouvais plus du tout ouvrir mon portail pour pouvoir rentrer dans la cour et après chez moi. Donc je me suis retrouvée complètement coincée en rentrant de vacances, donc en plus j'avais fait pas mal de kilomètres, j'étais fatiguée, il faisait nuit, et d'être coincée en dehors de chez moi enfin voilà, en pleine période d'hiver où il fait vraiment très froid avec ma chienne, mes bagages, etc. Je peux vous dire que c'était vraiment la galère. Je me suis fait super mal parce que j'ai essayé vraiment avec les épaules de pousser et tout pour ouvrir la porte et j'y arrivais absolument pas. Donc j'ai dû appeler en pleurant un ami qui est venu me dépanner. Il a dû escalader le mur pour pouvoir passer de l'autre côté et vraiment forcer et découper à moitié la porte pour pouvoir l'ouvrir et que je puisse rentrer. Donc ça, c'était pas mal non plus. Donc dans les anecdotes toujours très rigolotes, je pourrais vous raconter ce qui m'était arrivé pour mes 16 ans. Donc pour mon anniversaire, j'avais demandé un téléphone portable. C'était le premier téléphone portable que j'allais avoir dans ma vie. Donc je vous raconte pas, je l'avais demandé depuis des années et à chaque fois je me confrontais à un non. Et là j'avais bon espoir pour mes 16 ans d'en avoir un. Donc j'avais demandé à ma maman et à mon papa de m'acheter ça tout simplement avec un petit forfait.
Et arrivé à mon anniversaire, je déballe tous mes cadeaux et je ne vois pas mon téléphone portable, donc j'étais super déçue. Il en restait plus qu'un, donc j'avais mis tous mes espoirs sur ce dernier. Et donc c'est ma sœur aînée qui me l'offre. Et là, je déballe et devant tout le monde, hein, puisqu'il y avait pas mal de monde qui était là, toute la famille, etc. Et je tombe sur un paquet de Slimfast. Donc, je ne vous raconte pas comment je l'ai mal pris, je l'ai super mal vécu, sauf qu'en fait c'était une petite blagounette de ma sœur qui avait caché le téléphone portable à l'intérieur, mais moi j'ai pas du tout compris au début, j'ai pris ça pour argent comptant et je me suis sentie super complexée. Vous devez le savoir, dans l'adolescence c'est toujours une période un petit peu compliquée, donc je suis partie en pleurant dans ma chambre jusqu'à ce qu'on vienne me chercher et qu'on me dise mais non mais ouvre un peu le paquet, et donc là j'ouvre un peu bougonne mon paquet et qu'est-ce que je vois? Mon téléphone portable. Donc voilà, merci à ma sœur pour ces super idées. Toujours dans le même genre, ma sœur aînée qui est une personne très très drôle, qui avait toujours plein de petites idées folles à mettre en place, eh bien elle avait décidé en fait de venir me faire flipper, puisque j'avais une habitude un petit peu pas commune, on va dire, quand j'étais vraiment très jeune. J'aimais bien passer du temps dans les cimetières. Alors oui, je sais, c'est super zarbe, mais voilà, je sais pas, je me sentais bien, c'était calme, j'aimais bien prendre soin de toutes les tombes, nettoyer, enlever les fleurs mortes et tout, bref, j'étais toute seule dans mon cimetière et je sais pas, j'étais bien, j'étais une enfant un peu solitaire. Et elle en avait marre que je fasse ça et elle voulait absolument que j'arrête cette habitude en fait que j'avais. Donc elle s'est faufilée au cimetière derrière, vous savez, les petites chapelles là au-dessus des tombes, vous avez des fois des petits bâtiments comme ça en pierre ou en béton, et elle s'était donc cachée tout simplement derrière et moi je ne le savais pas du tout, donc j'étais là au calme dans le cimetière et tout d'un coup elle est sortie en criant ouh comme ça derrière la tombe. Donc je vous raconte pas la micro-crise cardiaque que je me suis tapée, j'ai eu super peur, je suis partie en courant parce qu'en plus elle me poursuivait et donc j'ai eu hyper peur et je ne suis plus jamais retournée dans le cimetière, donc je pense que c'était mission réussie pour elle, mais bon, encore une fois un coup vache parce que franchement j'avais eu hyper peur. Une autre anecdote également de ma jeunesse, la première fois où j'ai appris à faire du vélo sans les petits trous, donc on me tenait derrière, vous savez, on vous tient, vous pédalez jusqu'au moment où vous vous rendez compte que plus personne ne vous tient et là vous vous retournez pour regarder la personne derrière et là c'est le déséquilibre et la chute total. Donc je me suis effondrée dans le fossé qui était blindé d'orties, donc la chute ridicule, je me suis fait super mal et surtout j'avais des piqûres d'orties partout, c'était l'horreur. Toujours dans les anecdotes rigolotes, il faut savoir que j'ai comme passion l'équitation et quand j'étais plus jeune et que je vivais encore sur Paris, j'ai eu l'immense chance de pouvoir rentrer à l'école militaire, donc je montais les chevaux de l'armée qui étaient des bêtes vraiment magnifiques mais un petit peu nerveuses, vous savez, le genre de cheval entier qui est d'habitude monté par des bonhommes, des vrais quoi, et surtout les chevaux étaient super contents de sortir quand ils étaient sortis de leur box tout simplement, puisqu'ils étaient tellement nombreux qu'ils n'étaient pas toujours très très régulièrement sortis. Et donc là j'ai eu la malchance de tomber sur une espèce de carne. Donc pour vous expliquer un petit peu le délire, on devait se présenter à une heure précise pour le salut en fait militaire avec le prof devant les écuries et ensuite on se rendait à pied jusqu'au manège en fait où on montait. Et donc j'avais un cheval complètement imbécile en fait qui était terrifié par son ombre puisqu'il y avait pas mal de soleil et en fait son ombre se projetait devant le box et donc il ne voulait pas sortir du box. J'avais beau tirer comme ça sans regarder puisqu'il faut jamais regarder un cheval, ce dernier ne voulait absolument pas sortir, donc comment vous dire que je me suis dit oulala je vais être en retard, il faut absolument qu'on sorte de là. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma cravache et je lui ai mis un coup comme ça sur la croupe, sauf que le problème c'est qu'il est parti au triple galop cette fois-ci du box et moi je me suis fait tracter, donc j'étais accrochée à mon cheval et ça a été juste ridicule puisqu'évidemment vous pensez bien qui s'est pas arrêté devant avec les autres chevaux, lui il a été direct au manège, donc c'était la honte devant tout le monde, le prof qui me dit mademoiselle, et hop j'étais déjà partie au manège, donc j'ai pas voulu lâcher le cheval pour pas qu'il se retrouve en liberté dans l'enceinte de l'école militaire, mais voilà je faisais le drapeau en fait derrière, je me suis fait traîner voilà, et arrivé au manège quand j'ai voulu monter évidemment je me suis fait mordre les fesses, bref c'était une calamité ce cheval là.
d'autres anecdotes assez rigolotes qui se sont passées. Je pourrais vous raconter aussi le moment où je suis partie en vacances avec un ami à Punta Cana. Donc on était dans un super hôtel, un palace et tout, enfin vraiment le pied. Sauf qu'en fait, le truc pas très très bien étudié, c'est qu'ils avaient fait des toilettes juste à côté du lit, qui étaient des toilettes avec une porte à moitié transparente déjà, et surtout qui étaient découpées. Donc on voyait vos pieds et surtout on entendait tout. Donc ça, moi je trouve ça juste un petit peu gênant quand on est à deux dans la chambre. Donc comment vous dire que en début de séjour j'ai eu un petit problème, vous savez là, avec la nourriture, tout ça, le temps que le corps s'habitue, on a toujours une petite tourista du début des vacances. Et donc j'ai commencé à me sentir super mal au début de la nuit. Donc je me suis relevée pour aller aux toilettes, et évidemment je voulais épargner tous les détails, bof bof, les bruitages, etc. à mon ami qui dormait juste à côté, et je me suis dit bah c'est pas grave, je vais aller aux toilettes dans l'hôtel. Donc il y avait des toilettes un peu partout dans l'hôtel, mais ça je le savais pas au début. Moi j'en avais repéré juste un qui était tout à l'entrée, mais il fallait traverser tout l'hôtel pour y arriver, et c'était vraiment un complexe super grand. Donc je suis sortie, déjà j'ai pris la mauvaise direction, je suis partie vers la plage au lieu de partir vers l'hôtel, sachant qu'en plus on était genre juste à 1 km de la réception, donc déjà c'était l'enfer à la base, mais en plus comme je m'étais trompée, je m'étais vachement rallongée, j'étais de plus en plus mal, en plus j'avais eu envie de vomir entre temps, c'était terrible. Il y a des caméras partout là-bas, donc je me disais surtout ne vomis pas dans les talus. Donc je me suis retenue, j'ai couru partout jusqu'à finalement trouver la bonne direction, j'ai traversé tout l'hôtel comme une balle avec un teint cadavérique, à deux doigts de tomber dans les pommes, avec les sueurs et tout, enfin l'enfer. Et quand je suis arrivée aux toilettes, en fait il y a une nana qui allait rentrer, je l'ai pris par le cou comme ça et je l'ai virée d'un coup parce que là ça ne pouvait plus attendre, et j'ai été super malade. Donc voilà, donc ça restera dans les souvenirs un petit peu cuisants, un peu galères, de choses qui peuvent nous arriver, qui avec du recul nous font rigoler, mais sur le coup je peux vous dire que je rigolais pas du tout. Une autre anecdote qui m'est également arrivée, c'est une anecdote plus côté automobile. Donc j'ai commencé un petit peu à m'entraîner à conduire avant d'avoir le permis. Je sais, c'est pas très bien, il faut pas le faire. D'ailleurs ne le faites pas, hein, surtout que moi je faisais pas du tout la conduite accompagnée, ma mère n'avait pas voulu. Mais voilà, j'avais commencé un petit peu avec mon petit ami de l'époque et avec, bah, avec des amis à conduire comme ça. Et là en fait je me suis retrouvée en vacances à Marseille chez un ami qui m'a dit j'ai besoin que tu m'aides absolument, on est que deux, il faut que j'aille dépanner une personne, lui amener une voiture. Donc il faut que tu conduises la deuxième pour qu'au retour on ait une voiture pour rentrer. Donc là, grosse pression, parce qu'en plus dans Marseille, je vous raconte pas, moi j'avais pas l'habitude de conduire comme ça, je conduisais pas si bien que ça, j'étais pas très très à l'aise. Et donc il m'a passé, je crois que c'était un 4x4 si je vous dis pas de bêtises, en plus une grosse voiture, donc j'étais en stress et j'étais toute seule en plus dans la voiture, donc l'horreur. Et en fait tout simplement j'ai démarré et j'ai fait je ne sais pas combien de allez on va dire au moins 1 km ou 2 sans enlever le frein à main. Donc ça faisait un bruit pas possible, ça fumait, bref j'ai dû ruiner la bagnole. Après je m'en suis quand même aperçue au bout d'un moment, hein, donc j'ai, oups, je l'ai complètement descendu comme ça, j'ai continué mon chemin. Bon la voiture roulait toujours mais je pense que ça lui a pas fait du bien du tout. Et arrivée au feu rouge j'ai calé, et là en plein Marseille c'est juste l'horreur, tout le monde vous klaxonne, c'est encore pire qu'à Paris, j'étais dans un stress total pour redémarrer la voiture. Bref ça restera vraiment un souvenir cuisant, une grosse galère. Petite anecdote rigolote également de mon enfance, donc ça spéciale dédicace pour mon cousin, je ne suis pas sûre qu'il regarde ma chaîne et qu'il regardera cette vidéo, mais ça reste dans les nombreux bons souvenirs que j'ai avec lui. On avait eu la très très bonne idée d'aller nourrir des chevaux dans un champ, donc en fait c'était des chevaux qui étaient mis dans un pré avec des pommiers, donc il y avait des pommes, mais les pauvres en fait ils n'arrivaient pas à atteindre les pommes bio, donc on avait décidé de faire les bons samaritains et d'aller nourrir les chevaux. Donc on avait escaladé les arbres et on avait cueilli les pommes tout en haut pour les donner aux chevaux, et on avait dit à notre petite, donc lui sa sœur et moi ma petite cousine Fiona, de monter le guet. Donc en fait elle était devant et elle devait dire si quelqu'un arrivait, parce qu'on savait qu'on n'avait pas trop le droit de faire ça, et donc elle était avec sa petite poussette et sa poupée dedans, et donc elle devait signaler en cas de mouvement ou de personne qui arrivait. Donc nous tous les deux on escaladait l'arbre, et là d'un coup en fait au fond du terrain il y avait une espèce de vieille caravane abandonnée,
Et en fait, elle n'était pas abandonnée. Le gars, le propriétaire certainement des chevaux, vivait là-dedans. Et il est sorti d'un coup, il n'était pas content du tout, vous pensez bien. Donc on est descendu de l'arbre en catastrophe, on a couru comme des malades. Parce qu'en plus, c'est avec un espèce de bâton, je crois, de mémoire ou quelque chose comme ça. Donc on avait juste super peur. Et donc on a dû escalader le barbelé pour sortir du champ. Sauf que moi, ma mère m'habillait toujours avec des jupes culottes. Donc grosse galère, puisque pour passer, évidemment, je me suis retrouvée coincée avec ma jupe culotte de prise dans le barbelé, et le gars qui arrivait comme ça, qui allait mettre la main dessus, j'ai eu super peur, j'ai tiré, j'ai déchiré mon truc. Et évidemment, ma petite cousine n'avait pas prévenu, elle, dès qu'elle a vu le truc arriver, elle a eu super peur, on l'a juste tiré comme ça en poussant sa petite poussette avec sa poupée dedans. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'on était dans la merde. Et voilà, donc du coup, le gars pas content a dit qu'il allait appeler la police, mais nous on est parti très très vite et il nous a pas revus. Et voilà, et on avait quand même eu le temps de donner 2-3 pommes aux chevaux, donc on était contents. Pour terminer, j'aurais envie de vous raconter aussi la fois où, sur mon lieu de travail que j'avais avant, donc j'étais hôtesse d'accueil, je me suis retrouvée au téléphone avec le big boss, quoi, le PDG de la société, et en fin de conversation, je ne sais pas pourquoi, j'ai lâché tout simplement un bisou. Et oui, comme si c'était un pote, alors que c'est tout sauf mon pote. Donc j'ai raccroché, je savais plus où me mettre, j'ai pas eu d'écho de ça après, mais j'étais très très gênée.